Et vous, Michou, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben... Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être contre le racisme quand on habite à Neuilly que quand on habite à Saint-Denis. Hein. Voyez, moi, par exemple, je suis de Saint-Denis, et ben, je suis raciste. Et vous, par exemple, vous habitez cette maison et vous n'êtes pas raciste, voyez? Franchement, Michou, vous vous considérez comme raciste? Ah oui, franchement, oui. Moi, les étrangers, je vis avec, alors je peux pas les saquer, voyez? Ils foutent rien, ils sont sales, ils nous piquent nos bagnoles, on leur file des appartements en priorité sur les Français, ils gagnent plus de fric que nous avec toutes les allocations qu'ils ont. Dans les écoles, nos mômes n'apprennent plus rien parce qu'il y a 70% d'enfants étrangers qui parlent pas un mot de français. Ils nous font chier avec leurs foulards et encore faudrait qu'on paye pour leur construire des mosquées, alors vous avez qu'à voir. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites du droit à la différence, de la tolérance, de l'idéal de terre d'accueil de la France? Je sais pas ce que j'en fais de ça, moi. J'en sais rien. Mais c'est très mal d'être raciste, ça ne se fait pas, c'est immoral. Ah bah oui, mais on se refait pas, hein. Mais alors, vous votez Le Pen? Ah non, moi je vote pas, moi. J'ai pas de domicile. Non, justement, parce que ça fait 5 ans que mon frère a demandé un 3 pièces, mais comme son fils est mort, on lui a refusé. Et alors du coup, moi j'ai pas de domicile, parce que sa femme, elle a un cancer. Et quand à l'hôpital, ils l'ont renvoyé, vu qu'elle était en phase terminale... Bon, enfin, d'accord, mais si vous votiez, vous voteriez Le Pen? Mais tous les Arabes que je connais à Saint-Denis sont dans les 4, 5 ou 6 pièces, hein. Ils ont beaucoup d'enfants, c'est forcé. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça n'arrange en rien vos problèmes personnels d'être raciste. Ah ben oui, mais moi, ce que je comprends, c'est que les 3/4 de la planète, ils sont dans la merde. Alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, hein, c'est-à-dire chez nous. Et puis là, eh ben, faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur filer à bouffer, ça c'est sûr. Je ne vous fais pas dire. Ah oui, mais jusqu'à présent, ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de Saint-Denis, hein, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de Saint-Denis, en plus, faut qu'ils se poussent, mon gars, dans le sourire, hein, parce que sinon, c'est immoral, vous voyez. Dites-moi, Michou, vous ne seriez pas un petit peu communiste? Ah non. Je suis pas communiste, sinon il y a longtemps que je leur ai eu mon appartement et mon frère aussi. Mais il faut vous dépêcher de prendre votre carte du parti avant qu'ils disparaissent complètement. Mais j'ai déjà essayé de toute façon, plusieurs fois même. Mais à chaque fois, je me suis fait virer. C'est parce que j'arrivais pas à suivre la ligne. Elle faisait trop de zigzags. Et pour les appartements, faut quand même montrer qu'on suit la ligne, voyez. Mais j'étais pas assez intelligent pour ça, moi. Je suis bête comme mec, moi.